bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur un produit de saison qui est à la cote actuellement. Donc, c'est le coussin de voyage ou alors coussin de lecture pour les adultes. C'est parti. Donc, étape 1. Vous avez donc toute la préparation. Donc là, c'est normal, on coupe dans la pliure, mais mes chutes, j'avais pas assez de largeur, donc j'ai mis une couture ici. Mais vous, si vous avez assez de tissu, vous coupez dans la pliure. Et vous coupez à ras parce qu'il y a les marges de couture qui sont déjà comprises. Donc c'est pour un petit garçon qui s'appelle Mathéo, donc j'ai imprimé son prénom. Et je vais coller aussi un avion, question de décorer. Donc vous utilisez des chutes, là je vais utiliser de la feutrine, mais si vous avez des chutes de tissu, ce sera aussi parfait. Et vous avez besoin aussi d'une fermeture. Et là, j'ai ce tissu parce que je veux que ça soit déhoussable et qu'on puisse le laver régulièrement. Donc, je vais faire une housse intérieure. Prenez un tissu avec de l'élastane qui est un peu élastique. Là, j'ai du jersey. Mais si c'était pas pour un cadeau, je me serais pas cassé la tête. J'aurais pris juste un t-shirt que je mets plus et je l'aurais recyclé pour faire le coussin intérieur. Donc, pour commencer, comme vous le voyez là, j'ai stabilisé le haut pour pouvoir poser la fermeture sans problème. On a un tissu qui est élastique, donc si on stabilise pas, ça va être un peu compliqué pour poser l'élastique. Ça risque de ne pas être très joli. Donc, ce morceau, vous l'avez pas dans le sur le patron, mais c'est très très facile à faire. Je vous montre. Donc, j'ai juste pris donc le patron. J'ai pris donc mon entoilage et vous le posez juste comme ça. Et donc vous, par transparence, vous allez voir et puis vous venez donc juste tracer une petite bande. Après donc vous allez plier ça en deux, épingler et venir découper. Vous repassez le tout. Et après maintenant, on va venir poser donc la fermeture endroit contre endroit en essayant que ça soit bien pile au milieu. Donc moi, j'ai une couture, ça me sert de repère. Voilà. Et à partir de là, vous épinglez et vous viendrez coudre à 1 cm du bord pour être assez près des dents de la fermeture pour que ça fasse un effet super joli. Je ne prends pas de risque. Là, je vais épingler, mais avant de passer à la machine, je vais juste aller donc le coudre au fil de bâti à la main. Et je vérifie, et quand je vois que c'est bien stable, seulement je passe à la machine. Parce qu'on est souvent sur des tissus polaires ou avec de l'élastane, on n'a pas trop droit à l'erreur. Parce que s'il faut découdre, vous allez vous retrouver facilement avec des trous dans votre tissu. Donc, on perd un peu de temps, mais ça vaut le coup de le faire. Donc là, je vais aller faire au fil de bâti cette partie. Ensuite, je reviendrai refaire exactement pareil avec l'autre côté. Je viendrai aussi au fil de bâti coudre pour bien avoir le tout. Et après seulement, je passe à la machine. Donc voilà, la couture elle est faite. Donc quand vous piquez réellement assez près des dents, ça vous donne quelque chose d'assez propre. Et donc c'est assez sympa. Donc maintenant, on le remet endroit contre endroit. Et vous allez venir repérer là où s'arrête la couture et on va compter. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté et aussi pareil ici. On va venir compter pour pouvoir refermer et faire la couture finale tranquillement, correctement, sans pression. Donc, on va ouvrir. Voilà. Maintenant, à partir de là, vous allez épingler. Et après, on va aller coudre tout le tour. Donc, vous allez épingler et venir coudre jusque là et on s'arrête. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Vous épinglez et vous faites le tour. Jusqu'ici, on s'arrête. Donc voilà, j'ai fait ma couture. Et tout à l'heure, en vous expliquant, je vous disais, vous allez coudre jusque-là, jusque-là. En faisant ma couture, je me suis dit, ça, c'est pas très sympa pour les élèves. Elles vont pas savoir exactement. Donc,
Je vais modifier tout à l'heure le patron, ce qui fait que quand vous allez le télécharger, vous aurez un repère bien net qui sera marqué. Vous savez que vous allez coudre en fait jusqu'à ce repère-là et vous arrêtez. Et vous le marquerez des deux côtés. Donc voilà, cette couture-là, elle est faite. On a notre fermeture. On a la couture jusqu'ici. Il ne reste plus qu'à faire la couture donc pour avoir la hauteur du coussin. Donc pour ça, vous allez reprendre donc ce morceau. Là, vous voyez, j'ai mis une marque pour le milieu. Vous le mettez endroit contre endroit et vous épinglez. Et vous faites tout le tour. Avant de continuer, je vous donne encore l'astuce. Donc là, j'avais marqué mon milieu. Il faut faire pareil aussi, là, au niveau de l'arrondi. Ce qui va vous permettre, quand vous avez mis une épingle là et ici, vous allez de suite placer celle-là. Vous allez donc venir mettre votre épingle là. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Et après, il ne vous reste plus qu'à venir répartir le restant de tissu sur la distance qui vous reste. Et vous le faites 4 fois. Et quasiment, on va coudre et on a presque terminé. Donc là, regardez, j'ai épinglé. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Là, quand on va coudre, arrivé ici, vous allez vous retrouver un peu coincé, vous aurez du mal à passer. Donc, l'astuce, c'est que vous allez plier en deux. Et là, vous vous rappelez, quand vous avez fait votre couture, vous marquez bien là où vous vous êtes arrêté et vous allez venir cranter. Vous allez venir couper un tout petit peu. Si vous avez du pilou, faites attention parce que là, on ne voit plus du tout le fil. Donc, pour éviter de couper votre fil, et là, vous venez vous cranter, vous coupez juste un peu. Et donc, ça va libérer et qui va faire que maintenant, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir, avec votre machine, venir passer tranquillement. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc, vous faites votre couture totale et on aura quasiment fini parce qu'on va retourner après et il ne restera plus qu'à faire l'intérieur, le rembourrage. Donc, voilà, la pièce, elle est cousue. Donc, maintenant, on a quasiment fini avec cette pièce-ci. Il y a juste un dernier petit truc à faire. Quand vous voyez là, au niveau de la fermeture, c'est juste pour que ça fasse plus propre. Là, vous voyez, et là, j'ai juste pris donc cette partie-ci, j'ai recoupé, j'ai diminué le surplus. J'ai retaillé un tout petit peu. Et après, juste pour que ça fasse propre, que vous ayez une finition de professionnel, vous allez juste rabattre la fermeture et avec donc une aiguille et du fil, vous allez venir faire une espèce d'ourlet. Vous fixez donc la fermeture sur le bord. Vous ne tirez pas trop fort pour ne pas entraver l'élasticité du tissu. Mais vous faites quelques points juste pour que ça se tienne et que ça vous fasse une belle finition dehors au lieu de donner quelque chose comme ça, quoi. C'est pas trop chouette. Donc quand ça c'est fait, on peut retourner et aller maintenant s'occuper de faire la housse intérieure. Donc pour la housse intérieure, vous allez juste reprendre cette pièce-ci et vous allez venir découper donc dans la pliure 2 fois dans donc du tissu avec de l'élasticité. Vous allez le coudre intégralement et vous allez juste laisser une petite ouverture donc là sur l'arrondi à peu près 10 cm pour pouvoir venir le remplir. Donc on en est à la dernière ligne droite pour finir ce tuto. Donc vous avez vu, j'ai découpé les lettres, découpé l'avion sur de la feutrine. Utiliser de la feutrine ou bien un tissu comme du pilou, c'est super sympa parce que vous n'avez pas besoin de coudre. Vous mettez bien du double face et ça colle et puis ça ne se décolle pas. Ça reste assez stable. Maintenant, si vous n'avez pas du tout, dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de l'épingler et de venir coudre tout autour. Donc voilà, produit fini. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du double face derrière la silhouette de l'avion et repassé. Quand vous repassez, vous posez en sopalin ou vous tout posez en tissu et vous repassez directement dessus. Donc là, de l'autre côté, c'est pareil. Donc
J'ai découpé toutes les lettres, mis du double face à l'arrière, je les ai posées et j'ai repassé. Et ça nous fait que notre coussin de voyage est terminé.